bienvenue dans le pays Tombarma, situé au nord du Togo. Je vous emmène aujourd'hui visiter les célèbres maisons Tata. Ça ressemble à des petits châteaux forts, c'est super mignon. Et toutes les maisons sont en terre et faites de terre, un mélange de terre et de bouse de vache. C'est impressionnant. Chaque maison doit absolument être construite en face d'un baobab. Et c'est le baobab qui donne la spécificité de la maison. Dans la tradition de ce peuple, les hommes à 18 ans commencent leur rite initiatique jusqu'à à peu près 21 ou 22 ans. Une fois qu'ils ont fini leur rite initiatique, ils peuvent se marier, donc construire leur maison. Et c'est la première épouse qui a la charge de décorer la maison. Avant de rentrer dans la maison, on découvre les hôtels situés devant. Ils représentent ceux qui vivent ici. Et les hôtels servent pour offrir des sacrifices et honorer les ancêtres. Dans l'entrée, on trouve de quoi piler et moudre graines et légumes. Ça, c'est sa chaise. Oh, ok. Ça, c'est l'étagère. Ok. Où est l'étagère? Elle a déjà la viande. Ah oui, tiens. Dans le grillage. Une fois sur le toit, on découvre une vue magnifique. Et surtout les autres pièces de la maison. C'est la chambre des enfants. Dans ces petites huttes, les femmes dorment. C'est leur chambre. Voilà. On a un peu de mal à imaginer. Parce que c'est tout petit. Et alors, du coup, tu dors avec les enfants ou tu dors avec madame? Non, non, moi, il n'y a pas de chambre. Tu n'as pas de chambre? Non. Là, tu dors où? Moi? Oui. Bon, il reste pénible là. Tant pis pour toi. Hein. Dans cette région, il n'y a pas d'eau courante et pas d'électricité. Nous découvrons un peuple qui est resté très fidèle et très attaché à ses traditions et à sa culture.